Liber, c'est une société de renommée internationale qui aujourd'hui est présente sur le bassin colmarien et nous fabriquons des pelles hydrauliques sur chenilles de 14 à 100 tonnes, mais également de plus de 100 tonnes. Il y a différentes usines de production qui sont implantées sur le bassin colmarien. Chaque usine de production est une usine à part entière et complètement autonome. Et nous avons vraiment tout type de profil, des ingénieurs bureaux d'études conception aux ingénieurs industrialisation, lean management et méthode pour accompagner vraiment notre production de la mécano-soudure à l'assemblage montage de nos pelles hydrauliques. Nous sommes aujourd'hui toujours en veille de nouveautés technologiques puisque notre envergure à l'international nous oblige aussi d'être le plus qualitatif possible et le plus à la pointe de la technologie aujourd'hui. Ce qui fait qu'au sein de nos bureaux d'études, il y a bien sûr de la recherche et développement pour continuer toujours à travailler sur les désirs de nos clients qui seront demain des nouveaux produits. Aujourd'hui, on recrute beaucoup, on va chercher pas mal de stagiaires aussi, mais aussi pas mal de postes qui sont ouverts sur des métiers d'ingénierie ou d'acheteur ou tout autre type de profil. Alors l'UTBM, j'en ai déjà entendu parler dans une autre vie, mais aussi au sein, en tant que chargée de recrutement pour la société Liber France. C'est une école qui pour moi a une certaine renommée et qui fournit des profils plutôt très intéressants.